On vend du rêve quelque part. Avec les technologies immersives, on vend du rêve. Simon Billy, dirigeant de l'agence Visionnaire. Visionnaire, c'est une agence de production d'expériences immersives. On travaille sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la vidéo 360 degrés. On travaille avec tout un tas de secteurs d'activité, tourisme, patrimoine, communication, mais aussi avec le domaine de la formation. Ceux qui vont vivre les expériences immersives, si le client c'est un musée, il va y avoir tous les visiteurs du musée. Pour la formation, souvent on travaille avec des écoles, avec des universitaires. Développer ces nouvelles technologies qui arrivent avec tout un tas de champs d'application qui sont nouveaux. Il y a encore énormément de choses à découvrir et c'est ça qui nous a attirés. Je crois que le super pouvoir, c'est l'adaptabilité. Quand on est entrepreneur, on ne fait pas un métier, on fait 10, 12 métiers. On s'adapte aussi à un environnement qui change tout le temps. Il y a eu le Covid, il y a la crise énergétique, etc. Il y a un petit côté Darwin dans l'entrepreneuriat, donc on est tout le temps en train de s'adapter pour survivre. Ce qui fait tenir, c'est les projets qu'on arrive à faire à côté, où on arrive à mêler la passion et le travail. Et à ce moment-là, c'est ça qui fait qu'on se lève le matin aussi avec la banane. Une intervention un jour d'une personne qui est intervenue pour nous préparer au pitch sur le langage corporel. C'était marrant parce qu'il y avait un peu ce jeu de menteur-menteur, poker face, essaye de deviner ce que je pense avec ma gestuelle. Et ouais, c'était un bon moment. Et en même temps, savoir lire et détecter le langage corporel des gens, c'est super intéressant quand on est face à un client, face à un partenaire, etc.